Les télétravailleurs sont devenus la hantise des cafés et des restos. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils restent très longtemps et qu'ils consomment très peu. Pascal Provoux, vous souhaitiez réagir. Bonjour à tous. Alors déjà, je tiens à dire qu'on n'est pas en télétravail. On travaille à la télé, nuance. Et ensuite, si on est venu sur CNews, c'est parce qu'on nous a viré des bars PMU où on faisait nos débats. Voilà. Et croyez-moi, si on nous a viré, c'est pas parce qu'on ne consommait pas assez, n'est-ce pas, Elisabeth Lévy ? Mais oui, elle a raison. Voilà. Osons dire les choses, mon Dieu. Bon, je vous laisse. Ça va être l'heure des Pro 2 avec comme sujet. Est-ce que les musulmans sont la cause de... Sont la cause de quoi ? Vous n'avez pas fini votre phrase, Je ne sais pas encore, Pascal. Je cherche. Mais bon, de toute façon, la réponse, ça sera oui. Merci, Pascal Pro. Alors, mais osons dire les choses ! Les cigarettes seront interdites sur les plages publiques de Nice dès 2024. Mesure de santé publique, évidemment, mais qui vous révolte, hein, je crois, Renaud. Ouais, un peu mon neveu. Enfin, ma nièce. Mais bon, ça rime plus après. Déjà qu'on ne peut plus cloper dans les bars, dans les crèches. Ou même quand on va visiter un vieux pote au service de soins palliatifs, toujours vivant. Maintenant, on peut plus se poser avec sa blonde à la plage, sous prétexte que les gens laissent traîner leurs mégots. Pardon, mais sur les plages de Nice, les seuls trucs marrons, tout rabourris, qui sentent le tabac froid, c'est pas les mégots, c'est les vieux. Docteur Renaud, Mister Connard. Ah, merci Renaud. Selon les scientifiques, la planète devient de plus en plus salée. Et c'est pas une bonne chose. Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Cuisinier. Et moi, tant qu'elle reste bien gourmande et bien croquante, moi ça me va. Après, faut pas s'étonner. La planète, on est en train d'en faire un saumon tellement qu'elle se fait fumer. Et une des causes principales de la terre salée, ça serait l'agriculture. Mais ça, c'est logique. Quand tu sais comment les agriculteurs se font exploiter par la grande distrib, les pauvres, ils doivent passer leur journée à chialer sur leur tracteur et à force, ça imprègne les sols. Et en plus, faut rajouter à ça... les larmes des candidates de l'amour et dans le pré, qui découvrent qu'elles font 800 bornes pour se disputer un mec avec un seul cheveu et une seule dent. Merci Cyril. À Toulouse, des drones seront utilisés pour surveiller le trafic de drogue et de cigarettes. Le photographe écologiste Yann Arthus Bertrand est avec nous en duplex. Oui Marion, je suis actuellement dans ma montgolfière pour mon nouveau livre « La terre-terre vue du ciel ». Où je photographie les pires quartiers gangrenés par la drogue, comme Toulouse, Marseille, Bogota ou la maison de Pierre Palmade. Par ordre de croissant, les stocks. Le trafic de drogue est un fléau écologique. Il faut des centaines de litres d'eau pour produire le cannabis, sans compter les go-fast, en grosses cylindrées qui émettent autant de CO2 que Gérard Larcher qui digère. Oh, c'est horrible. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire collaborer les deux parties et ainsi créer un narcotrafic éco-responsable et amaigrissant. On oblige Gérard Larcher à pousser les véhicules pleins de drogue sur l'autoroute et on appelle ça des go slim fast. C'est du win-win. C'est du win-win. Merci beaucoup Yann Arthus. Les go slim fast. Bertrand. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. On rappelle quelques dates à venir parce que c'est Marc-Antoine on tour un petit peu partout en France et notamment à Paris, à la capitale. La Cigale, 15, 16, 17 décembre.